marche pas l'ascenseur ou quoi? Qu'est-ce que vous faites là? Quoi? Un poulet? On touche pas les enfants. Je peux voir. Non. On voulait vraiment que quelque chose se passe au niveau de jeu, des rencontres entre les comédiens et le scénario. En fait, les films ne sont jamais la copie conforme de leur scénario parce que les acteurs incarnent, parce que les lieux aussi incarnent l'histoire d'une manière inédite. Mais on ne peut pas acheter de poulet aujourd'hui. Mais si, on va trouver. On voulait pour ce film qu'il y ait cette rencontre entre la page écrite, le scénario et la réalité. Et ce qui nous intéressait, c'était vraiment le jeu des comédiens et de voir comment est-ce qu'ils se déplaçaient dans les lieux. Ça nous a vraiment inspiré aussi pour le découpage, pour la mise en scène après. Et c'est une valeur ajoutée pour nous, pour le film. Du coup, il s'en dégage une fraîcheur qui pour nous doit être comparable à un film à la Nouvelle Vague, mais dessiné. Mais qu'est-ce que vous attendez? Allez-y! On a fait quelques semaines même sur des lieux réels et en partie en studio, mais avec toujours la possibilité de bouger. Tu me le renverrais? C'est bien ce que je pense. Pourquoi je me le rends pas? Confisqué. Mais t'avais dit que tu me le rendrais. T'es une voleuse, Linda. Une voleuse et une menteuse. Et j'ai dit oui, c'est pas juste. Non, je vais te dire ce qui n'est pas juste. On a fait tailler des objets en mousse pour qu'il n'y ait pas de bruit parasite. Mais les acteurs avaient des objets pour jouer, même des chaises sur lesquelles s'asseoir, des halls d'immeubles dans lesquels courir, des escaliers. Et donc, il y a un effet de réel indéniable, je crois, qui s'en dégage. Bon, allez, vas-y, c'est à moi, parce que bon, voilà.